parlé au peuple. Oui. Il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort.
Amen. Et lorsqu'ils ont commencé à avancer devant le Jourdain, Josué a seulement constaté que l'eau respectait le cantible ministère. Amen. Alléluia. Fonce avec cela. Vraiment. C'est ce qui va produire la manifestation. Amen. 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 Pour avoir la révélation, vous devez avoir quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Amen. 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 Une deuxièmement, une capacité d'entendre Dieu parler. Amen. 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 Et enfin, un enseignement surnaturel. Amen. 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 Voilà les trois choses. Il y a toujours le prophétique, l'apostolique et le quintuple ministère. Amen. 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 Ainsi, il déclare là-bas que nous n'allons pas chez le pasteur Mbou parce qu'il parle de frère Coleman. Il parle du quintuple ministère. Amen. 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 Il lit les brochures, il lit les citations de frère Kevin Blouet. Amen. Amen. Mais dans la Bible, le seul apôtre que nous avons pour les nations s'appelle Paul. Oui. Oui. Amen. Amen. Mais pourquoi vous lisez les écrits de Jacques? Amen. Amen. Pourquoi vous lisez Jésus? Amen. Amen. Pierre est envoyé en Israël. Oui. Mais pourquoi lisons les épîtres de Pierre? Les épîtres de Jean. Amen. Allez seulement avoir les épîtres de Paul. Paul. Amen. Amen. Mais les épîtres de Jacques que vous voyez, ce sont les prédications de Jacques. Amen. 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 L'homme loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Vraiment. Il glorifie Dieu pour ce qu'il fera. Amen. Mais il ignore ce que Dieu fait maintenant.